Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Alors on change. Les vacances sont maintenant bel et bien derrière nous, mais aujourd'hui on vous en donne encore un petit morceau pour vous remémorer cette période de répit bien agréable et pour déjà vous faire penser aux vacances suivantes et pourquoi pas vous inspirer. Les personnes dont nous allons faire la connaissance aujourd'hui ont sans doute passé des vacances bien différentes de la majorité d'entre nous. Alors, on change ? Eux l'ont fait. Frédéric a fait plusieurs voyages à vélo, des milliers de kilomètres à la découverte de nouveaux paysages. Cette année, il a initié sa fille aux joies de ce mode de transport. Mélissa est partie découvrir le Guatemala et surtout ceux qui y vivent. Plus que des photos cartes postales, ce sont de magnifiques souvenirs de partage qu'elle a ramenés en Belgique. Pour Philippe, pas besoin de destination lointaine, il passe ses vacances dans son domaine, une ancienne forge du XVIIIe siècle qu'il essaye de préserver de manière écologique avec l'aide de woofers. Jean-François est architecte, mais après avoir passé 3 ans en Équateur, il décide de créer Emotion Planet, une agence qui place l'homme au centre du voyage. Accompagner tout au long de cette émission, nous sommes avec Anatole et Vincent. Bonjour. Alors, vous êtes deux jeunes musiciens, étudiants. Oui. Où étudiez-vous ? Au Jazz Studio de Anvers. C'est une petite école qui propose un peu le même style de formation que le conservatoire de Bruxelles, tout ça. Et qui est spécialisée dans le jazz. Spécialisée dans le jazz et aussi dans la pop. Donc il y a deux sections différentes, le jazz et pop. Les examens sont bien passés ? Oui, oui vous bien, avez passé de bonnes vacances donc. Oui. Quelle est votre ambition pour l'avenir ? Essayer de monter un duo à deux, donc monter un petit groupe, on aimerait bien, et devenir musicien, professionnel, et prendre une carrière. Voilà. Gagner un peu notre vie avec ça. Eh bien, on vous laisse nous accompagner, on va en même temps découvrir votre univers musical. Merci beaucoup. Le vélo, c'est une religion. Ses vacances se passent avant tout sur une selle. C'est le meilleur moyen, selon lui, d'apprécier les paysages et de rencontrer les habitants. Au fil des ans, il a emmené des amis dans sa roue. Et cet été, il a initié sa fille, Clémentine, à 5 ans. Et pour la première fois, elle est partie camper avec son papa à 30 km de chez elle. Allez, ma belle, on y va. Ouais. Ici, tu vas pouvoir rouler un peu toute seule, ok? Voilà, tu peux reculer. Super. 1, 2, 3, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va faire une balade de 31 km. On va rejoindre le camping de Belœil. Ça se trouve seulement à 10 km. Mais avant ça, on va faire un grand tour. On va découvrir le golfe. On va aussi aller voir un château, Clémentine, on va aller voir la fontaine bouillante et on va finir au camping à la ferme. Encore une libellule, là, regarde. Pour moi, le vélo, c'est le meilleur moyen de découvrir notre environnement parce qu'on est en contact avec l'environnement immédiat, on est à la vitesse idéale par rapport aux piétons où on va forcément beaucoup moins vite, on parvient à couvrir de plus grandes distances, on peut facilement faire 60 km, 100 km sur une journée,
ce qui nous permet de croiser une grande diversité de paysages. J'ai commencé le vélo plutôt jeune, vers 14-15 ans, je faisais du BMX, puis plus tard du VTT, puis le VTT m'a amené au trial, puis le trial m'a amené au street. Le street, c'est une espèce de BMX où on fait des acrobaties un petit peu, puis au dirt où on fait des sauts, à la descente en VTT, puis finalement au voyage à vélo. J'ai fait plusieurs voyages à vélo, j'ai fait notamment Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis allé aussi jusque Budapest en suivant le Danube, la Scandinavie, la Hollande, il y a de superbes coins avec la route de la mer du Nord. Tout le monde y est allé ici. Hein. On commence à Bruges ou ouais, plus bas ouais. Bruges. C'est à Bruges. Que ça. Moi j'ai rencontré Fred à l'école, donc on donne cours d'éducation physique tous les deux. Il m'a dit on pourrait partir une fois ensemble. Et donc là, on est parti, on a fait la Nordsee, donc on est parti, on a fait de Bruges, Katwijkensee, donc c'est l'ouest des Pays-Bas. Et vraiment super, vraiment, donc on prend la tente et c'est parti, on est parti 4 jours. Et l'aventure, la liberté. On a les paysages, on a le fait de faire du sport, on avait le beau temps, la convivialité entre nous, puis le soir après l'effort, le réconfort, on allait manger un petit bout, donc ouais, c'était chouette. On ne prend jamais de grandes routes, on ne prend jamais de grands chemins avec beaucoup de voitures, et on prend toujours des petits chemins, donc on se retrouve dans la campagne, parfois on se perd, parfois on revient. Bon les amis, je vous ai préparé un petit vélo chacun, on va se mettre en route. Allez, on y va. Vas-y, occupe-toi juste de l'équilibre. Moi je patine. Voilà, c'est bon. En fait, il est possible de faire des voyages à vélo très simplement, à l'aide de son vélo de tous les jours. Il suffit d'y ajouter quelques sacs et de bien préparer son itinéraire. Si on roule dans une région plate, comme la Hollande, il n'y aurait pas besoin de beaucoup de vitesse. Par contre, si on choisit d'explorer les montagnes, là, les rapports courts sont évidemment les nécessaires. Donc la Wallonie-Picarde équipe actuellement la région de ce genre de balises. C'est un système de points nœuds qui permet de baliser tout le parcours sur 1600 km. Le système de points nœuds, c'est un système de maillage où chaque point nœud est relié aux autres par des chemins qui sont adaptés aux cyclistes, qui sont en général agréables à rouler. Ça permet de fabriquer son itinéraire sur mesure, on peut allonger ou raccourcir les distances, on peut faire des boucles de la distance souhaitée, on peut aussi faire des voyages en ligne, on peut faire des itinéraires en ligne droite ou des boucles, on peut varier les plaisirs. Mais ton bras à droite, Paulette. Tu prends position devant le panneau, mets-toi, voilà, bien, près de ton vélo, et on va faire une photo comique, hein, donc tu montres tes muscles. Non, une photo sérieuse? Allez, on y va. Macaroni. Super. Magnifique. On discute tout le temps avec Clémentine. Je lui fais voir des choses, elle m'en fait voir d'autres. Elle observe des choses que moi, j'aurais pas repérées. Elle me pose des questions. Là, on a vu un champ de carottes, elle ne savait pas qu'il y avait des champs de carottes. Pour elle, c'est une façon de découvrir qu'il y a moyen de passer des vacances autrement, de se rendre compte que dès qu'on quitte la maison et qu'on enfourche son vélo, les vacances commencent et qu'il ne faut pas forcément de grandes choses magnifiques et extraordinaires pour trouver son plaisir. Attention, debout. Regarde, il y a même un tracteur. Un petit tour au toboggan. Pourquoi? Je suis trop fatiguée. Peut-être que oui. Destination, le Guatemala avec Mélissa. Ce petit pays d'Amérique centrale ne manque pas d'atouts touristiques, mais c'est avant tout à la rencontre des populations locales que Mélissa a souhaité
se confronter. Son ambition, comprendre et soutenir un projet d'émancipation de communautés locales dépossédées de leurs terres. Mélissa s'est lancée dans l'aventure avec l'ONG Quinoa, mais pas question de se lancer dans un tel projet sans préparation. Alors avant le grand départ, escale dans une auberge de jeunesse pour un week-end de formation. Je suis moitié philippine et moitié turque et depuis que je suis toute petite, je rentre beaucoup aux Philippines, donc le choc ne me fait pas peur. Je l'ai déjà vu, la pauvreté. Et justement, j'ai envie qu'on soit beaucoup plus à le ressentir et que justement, nous, qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse se dire que tiens, il y a un autre chemin à prendre. Alors le module de formation auquel Mélissa participe pour l'instant, c'est se questionner sur c'est quoi le système monde dans lequel on vit. Pourquoi il y a des injustices entre le nord et le sud, d'où elles viennent, parce qu'elles ne sont pas nées de nulle part. Donc on fait des petits détours historiques. Et quels sont les mécanismes qui les entretiennent encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui cause en fait les inégalités, je pense? Est-ce que c'est clair pour les consignes? Je pense. Oui. Alors, ce que... rapport de force, c'est... Qu'est-ce qui engendre les inégalités entre les pauvres et les riches, surtout ça? Oui, où est-ce que ça joue? Quels sont les acteurs, ceux qui ont le plus de pouvoir? Toutes les réponses sont bonnes, c'est juste des ressentis qu'on a par rapport au monde et c'est chouette de les partager. Donc je le note, égalité. C'est un peu le but aussi de ce week-end, c'est de remettre les idées en place et d'avoir les idées claires avant de partir, d'avoir une certaine structure sur ce qui se passe vraiment avant d'aller faire du bénévolat. Le projet au Guatemala m'intéressait parce qu'on est vraiment dans les communautés et on s'imprègne de la culture, on est dans les familles, quoi. Vous avez plusieurs essayé de travailler avec eux, puis c'est la notion de solidarité dans lequel on se dit, on vit tous dans un même monde. Qu'est-ce que nous, on peut apporter au Sud, mais qu'est-ce que le Sud peut aussi nous apporter et qu'est-ce qu'on peut faire en commun, ensemble, pour définir un autre monde qui serait plus juste, plus solidaire, avec d'autres valeurs qui guideraient les uns et les autres que les valeurs dominantes actuelles. C'est un peu le marche ou crève, quoi. On existe à travers... C'est un voyage qui aura du sens. Puis découvrir d'autres cultures vont me faire revenir à des valeurs plus simples, beaucoup plus vraies aussi. Alors après de longues heures de vol, j'arrive le soir au Guatemala et je me sens tout à fait perdue, c'est le chaos. Il pleut, je ne connais personne et... Voilà, je me retrouve toute seule au Guatemala. Les autres voyageurs m'ont apporté un soutien très précieux pendant le voyage. Oui. Ils m'ont vraiment poussée à dépasser mes limites. Le but, c'était de voir le contraste entre le voyage en tant que touriste et après en faisant du volontariat. Oui, donc là, c'est la vie dans les communautés. Et on participait aussi à... L'activité principale des femmes, qui était de faire des tortillas. Elles passent la plupart de leur temps dans la cuisine. Je vivais avec Porzia dans la famille de Felipa et de sa cousine. Et donc ce sont deux femmes qui ont à leur charge beaucoup d'enfants, mais qui travaillent très dur pour survivre. Par exemple, on a été chercher avec elles du bois dans la montagne. C'est à 2 heures de marche et porter 20 kilos de bois. Pour une femme, c'est très difficile, surtout qu'elles le font tous les 2 jours et le font avec les enfants aussi. Ils vivent de maïs et de frijoles et rien d'autre, alors que leurs terres sont très riches, mais c'est parce qu'ils vivent selon les traditions mayas. Et ça, on a essayé de l'introduire avec l'association. On a amené des jeunes du village de l'autre côté du pays voir un autre agriculteur chez qui l'agriculture est très diversifiée. Et ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup appris. Ils ont même ramené des plantes de cacao qu'ils ont plantées dès le lendemain en rentrant chez eux.
Hola. Hola. Ils étaient très heureux de nous voir et je pense que rien que le fait qu'on soit là et qu'on vienne jusque-là pour voir comment ça se passe pour eux, ça les a touchés, quoi. J'ai appris à prendre sur moi, du fait de vivre avec les autres et d'être dans des conditions pas très faciles. J'ai appris à m'ouvrir aussi. De nature timide, j'ai pas l'habitude d'aller vers les autres et pourtant pendant le voyage, c'était très facile. Et j'ai beaucoup appris de l'expérience des autres, de leur vie, du partage de leur histoire aussi. D'ailleurs, j'ai décidé qu'après mes études, j'irai faire un tour du monde. Ça se fait. C'est décidé. Quand on parle de vacances à Philippe, ce ne sont pas des images de plage ou de cocotiers qui lui viennent à l'esprit, mais bien les marronniers et la rivière qui traversent sa propriété, le domaine Saint-Roch à Couvin. Philippe est ce qu'on appelle un host, c'est-à-dire un hôte qui reçoit des vacanciers inscrits dans un réseau de woofing. Les hôtes reçoivent les woofers comme des amis ou des membres de la famille et en contrepartie, ces woofers donnent de leur temps pour aider ceux qui les reçoivent. Et ce qui relie ces personnes, c'est un même intérêt pour des pratiques de vie durables. Il faut gratter tout ce qui ne tient pas sur l'arbre. Thierry est un woofer. Et qu'est-ce que c'est un woofer? Eh bien, c'est un membre d'une vaste association mondiale qui s'appelle le Woofing. Je fais partie de l'association depuis un an maintenant. Et c'est une association qui permet à des gens du monde entier de venir donner un coup de main, d'abord à des exploitations bio, mais aussi des domaines comme le mien, pour découvrir un peu ce qu'on fait, ce qu'on entreprend, en échange du gîte et du couvert. Plus vers le bas, toi tu fais la partie en dessous, d'accord? Non, je suis là. Si tu veux, mais bon, ça va te fatiguer, mais en dessous, moi ça me fatigue. Moi en dessous, ça me fatigue, j'en prie. Ah bon? J'en prie. Quand on a évidemment 50 arbres comme ça, c'est là où on est vraiment content d'avoir une paire de bras en plus. Pourquoi il faut prendre les arbres? Ah, c'est vrai que ça, c'est une très bonne question, pourquoi il faut peindre les arbres. Mais il y a plusieurs explications. Ici, c'est pour préserver les arbres de, des petites bêtes qui pourraient remonter sur l'arbre et surtout attaquer les fruits. Il y a d'autres raisons aussi, c'est que pour entretenir le verger ici, on a mis des moutons. Pour ne pas aller manger l'écorce des arbres, bah, il faut se mettre à leur place. Avec leur langue, ils vont aller comme ça relécher les arbres. Et on peut dire que de la chaux sur la langue, c'est pas très très bon, ils ont vite compris. Voilà, au moins comme ça les arbres ils sont protégés des moutons. La richesse du domaine Saint-Roch, c'est avant tout une grande biodiversité avec des milieux assez différents. Par exemple, la propriété est traversée sur une grande partie par l'eau noire, donc ça veut dire de l'eau stagnante, de l'eau courante au-delà du barrage, des étangs, mais aussi des parties boisées, des pâtures. Et donc mon job aujourd'hui, c'est de faire des connexions entre tous ces milieux. Ce qui est mis en place pour favoriser la biodiversité, ce sont des choses finalement très simples, mais pour lesquelles il faut s'atteler. Ah, ce sont de vraies vacances, hein. C'est pas loin de chez moi et en même temps, c'est sauvage. Et c'est une sorte de lieu de vacances où le travail devient un jeu. Et en même temps, un apprentissage. Aujourd'hui, donc, on a 10 plantes qui font pas loin de 2 mètres de haut, et c'est pour ça qu'on les appelle des plantes invasives. L'année prochaine, là où nous sommes, il n'y a plus rien comme vie au sol, tout simplement. Ah oui. C'est pour ça qu'on les arrache. Clairement, au niveau pratique, il y a des travaux où parfois j'ai tendance à remettre quand je suis seul et quand j'ai un woofer, j'ai vraiment du courage pour dire, allez, on va attaquer tel ou tel boulot. Allez. Très bien, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé aujourd'hui, mais on va quand même terminer la journée en coupant un peu de bois. Et on va se reposer avec Erwan, hein. C'est bien, on est trois. C'est important de faire du bois parce qu'ici à la maison, presque tous les bâtiments sont chauffés au bois. Pour vous donner une idée, voilà le tas de bois, il faudrait qu'il avance à peu près jusqu'ici. Hein, il jusque faudrait là qu'on, voilà, ah oui. Pour avoir la réserve pour cet hiver. Le travail, à la limite, est très noble. Ici, un travail qui permet de s'épanouir, c'est plus vraiment du travail, c'est se sentir utile.
Moi qui suis informaticien, couper du bois, ça me change les idées. Et c'est en fait beaucoup plus agréable que d'être devant un écran. Moi j'ai choisi le woofing parce qu'il y a avant tout une question d'état d'esprit. Il y a aussi les gens qui ont une démarche particulière. C'est la démarche de découvrir autre chose, de découvrir des choses inhabituelles et de s'y donner corps et âme. Et c'est vraiment un peu ça l'esprit en échange donc de ce gîte et de ce couvert. Couvert qu'ils partagent avec nous d'ailleurs à la maison. Moi en tout cas dans les chaussures. Moi je suis en vacances ici Philippe, mais toi tes vacances c'est où? Bah, écoute, avec toutes les activités qu'on a ici au domaine, on ne bouge pas, tu sais. Tu ne pars pas? Si, tous les mercredis soirs on part, on va en France, on fait 15 km. On découvre les bocages de l'Avesnois, qui sont vraiment tout près d'ici. Et c'est vrai que la commune, depuis 2 mois, organise des balades didactiques, très intéressantes. Donc c'est un petit peu nos vacances. Je crois que les gens apprécient beaucoup cette démarche parce que de fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des choses que vivaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ici, on ne va pas voir de rhinocéros ou de girafes. On va voir des choses simples, des martins pêcheurs, des moutons pâturés un verger. Des choses simples, mais souvent très enrichissantes. Oh, t'as bien travaillé aussi, toi, Jean-Pierre. Oui, oh là là, c'est bien, ça, chouchou. Ah, t'as bien fait des coups de dos ce soir. Hein? De son enfance en Afrique, Jean-François garde un précieux souvenir de la chaleur humaine. Une expérience qu'il a souhaité retrouver en Amérique du Sud. Il devait y faire un périple de 6 mois, il y est resté 3 ans. Aujourd'hui, Jean-François propose sa conception du voyage, centrée sur les relations humaines et l'autonomie. Dans les débuts des années 2000, j'ai eu envie de partir seul en sac à dos et j'ai très vite eu envie de proposer aux gens de voyager comme je concevais le voyage. C'est-à-dire que ce sont des voyages axés sur la rencontre et sur l'autonomie qu'on va donner aux voyageurs pour qu'ils s'approprient son voyage. Bon, allez au boulot, hein. C'est pas venu pour rire, hein. Les touristes, allez, hop. Je dis toujours aux voyageurs, nos voyages ont comme objectif de nourrir tout le monde, que ce soit d'un point de vue économique. Là, on va parler plus par rapport à l'habitant local, qui reçoit aussi évidemment, qui est rémunéré pour son travail, ou une nourriture surtout humaine. Et là, c'est autant l'habitant local que le voyageur. Le moment fort, c'est la rencontre avec les familles. La rencontre avec les familles, la rencontre avec l'âne, les enfants, la petite fille qui vient. Essayer de communiquer avec eux aussi. La petite fille qui vient d'elle-même, elle prend son cahier, elle chante pour nous. C'est extraordinaire, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Aujourd'hui, notre organisme de voyage est basé à Bruxelles. La plupart de nos voyageurs sont soit des Belges, soit des Français, un public francophone. Et on propose vraiment un ensemble de destinations sur différents continents qui vont de la France au bout du monde. J'aimerais bien arriver à être finalement tous les jours dans mon quotidien comme je le suis en voyage. C'est-à-dire que quand vous êtes en voyage, vous êtes détendu, vous êtes ouvert, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans un échange. Et c'est vrai que quand on revient chez soi, on a en Belgique un petit peu ce mouvement, ce stress, ça bouge beaucoup plus. J'ai fait ce premier voyage en Afrique durant mes études d'architecture. J'aime beaucoup l'architecture, hein, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ce voyage m'a vraiment,
vous rencontrez, enfin vous en avez plein la vue, quoi. Vous en avez plein la vue, vous rencontrez des gens qui sont vraiment d'une culture tout à fait différente, qui vivent beaucoup plus simplement, mais qui vous transmettent des choses fortes, des valeurs, des choses que vous avez oubliées. Et puis vous vous dites, mais quel est le sens quelque part, un petit peu, ça vous renvoie à vous-même, quoi, hein, quel est le sens de ma vie, etc., etc. Jean-François est quelqu'un de vrai. Donc ben voilà, il nous a raconté ce qu'il faisait, on lui a raconté ce qu'on faisait, et du coup on a sympathisé tout de suite, puisque on pense la même chose. On pense qu'il faut vivre dans la nature, qu'il faut vivre avec les gens, qu'il faut essayer de faire partager sa passion, et la passion de la nature et du cheval, ben, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel, je vais dire. On est vraiment dans des paysages voilà, un petit peu où il n'y a pas d'habitation, etc. On est vraiment dépaysé à ce niveau-là. Et puis je crois qu'il y a tout le rapport à l'animal aussi qui vraiment permet d'évacuer le quotidien et ce à quoi on pense. Et puis, il y a le personnage, quoi. Évidemment, Jean-Louis et sa femme sont vraiment des gens, on sent cette passion, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le métier, et il la communique, voilà, même, je dirais, sans en parler. Ça apporte beaucoup de joie de voir que ce que vous êtes, ça se transmet et que quelque part, vous apportez quelque chose à l'autre, quoi. Et c'est ça qui me fait continuer Émotion Planète. Et voilà, vous sentez que les gens, ils ont été touchés, quoi. Ils ont été touchés et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est pour ça que voilà, j'essaye d'en vivre de mon métier. C'est pas facile de sortir des chemins de traverse, mais d'abord il y a une qualité de vie quand même, je travaille pour moi, mon rythme, et puis vous avez surtout, vous sentez que votre métier sert à quelque chose, quoi. Et ça c'est génial. Il y en a encore trois à faire. Et nous aussi. Mais évidemment je vais vous aider. Mais non. Non, faut pas faire ça, c'est pas ici. Super, dit. On l'a vu, les vacances pour certains, ce n'est pas uniquement le dépaysement et le farniente. Nos quatre témoins ont pris du plaisir et ont trouvé du sens à essayer quelque chose de différent. Et cela ne fait aucun doute, les souvenirs de ces vacances-là ne sont pas prêts de s'effacer. Allez, je vous laisse y réfléchir. Vous invite à nous faire part de vos commentaires et à nous parler de vos vacances sur notre page Facebook. Et puis, en attendant les prochaines, eh bien, retrouvez-nous déjà le mois prochain pour d'autres rencontres. Bye bye.